Salut, c'est Fabien du site grimpavu.com. Alors aujourd'hui je suis à Smith Rock aux États-Unis dans l'Oregon, une des plus belles falaises du monde d'après le magazine Grimpé. Et j'ai la chance donc de grimper ici quelques semaines et je me suis dit tiens, avec ce beau paysage là, il faut que je vous fasse une vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est comment plier sa corde, comment lever sa corde. Donc on démarre avec un brin, jusque-là tout va bien. Et on fait une grande brassée comme ceci. Je passe derrière ma nuque et je viens avec ma main droite chercher le brin qui est dans ma main gauche et je tire. Et je le passe derrière ma nuque. Je recommence la même opération avec la main gauche qui vient chercher la corde de ma main droite et je la passe derrière. Voilà. Et ainsi de suite, toute la longueur de corde. Voilà, quand on arrive au bout, donc on retient bien le brin et on lâche l'autre main. Hop. Et je viens ici avec mon bras passer au milieu. Alors, je fais attention de garder ce brin dehors et je passe le bras au milieu. Voilà, de cette manière, j'ai donc de jolies boucles assez uniformes. Donc ce brin, je le prends. Et je viens former une boucle par-dessus le reste de la corde, comme ceci. Alors, il faut faire attention de bien serrer la corde, évidemment. Je note au passage que mes mains sont sales, parce que la corde est sale. Donc, je vous expliquerai plus tard comment nettoyer une corde. Et donc je viens avec ce bout de corde-là, fermer le tas de cordes. Donc ce qui est important, c'est de bien serrer et de venir voilà, faire des tours, comme ceci. Et je fais les tours en allant vers la boucle, de façon à fermer la boucle. Donc je continue autant que j'ai de cornes, si possible au moins 4 ou 5, tout en serrant le plus fort possible. Voilà. À la fin, je passe dedans et je veux serrer ça. Donc je tire dessus pour voir quel bout de corde bouge. Je vois que c'est celui-là, donc j'ai plus qu'à tirer là, fermement, et c'est fini. Voilà, maintenant vous savez lever votre corde en papillon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à la liker juste en dessous. À nous laisser un commentaire en nous disant comment vous levez votre corde. Aussi, si vous voulez en apprendre plus sur comment choisir sa corde, c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. On a fait une vidéo, Lilian a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps dans un magasin approche où il compare toutes les cordes disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc allez voir ça, c'est intéressant. Enfin, pensez à vous inscrire à la newsletter sur notre blog pour recevoir en avant-première les dernières vidéos, les nouveaux articles et vos cadeaux bonus de bienvenue. Merci, à très bientôt. Ah, et il y a une autre façon de lever sa corde, la méthode sac à dos, très utilisée ici aux États-Unis. Je vous la montre dans cette vidéo-là. Il faut cliquer ici.